C'est parti, on enchaîne avec les dernières 16e de finale, j'ai envie de dire la dernière partie de la quatrième poule. Chun-Li versus Guile. Alors c'est des noms que je pourrais lire là si la qualité de la vidéo était un peu meilleure. C'est parti, on n'a pas vu de Guile encore. Premier round. Allez, Sonic Boom. Derrière, high kick pour avancer. Saving attack dans le saut. Sert juste à éviter que Guile remette la pression. Mais Guile a coincé Chun-Li dans le coin. Attention, c'est là où il est le plus dangereux. Sonic Boom. Avec ce Sonic Boom. Et encore un, et encore un. Chun-Li qui essaye de se rapprocher, mais c'est Guile qui est en avance là. Sonic Boom. Saving pour arrêter Sonic Boom. Bien joué, c'est saving sur le saut. Voilà, encore une. Double saving. Ah oui, c'est original ça, tiens. C'est une question qu'on pourrait se demander. Qu'est-ce que ça fait si on les enchaîne, les savings? Apparemment, l'adversaire part en l'air sur la deuxième saving attack et tombe au sol. Chun-Li peut suivre avec un saut bas medium kick. Guy qui est toujours en avance avec ce Sonic Boom. Sonic Boom. Arrière MK, Sonic Boom. Et voilà, il tente un saut, une attaque. Bien joué, Casse-Guard. Il se fait balayer là. Attention, le cross-up. Sonic Boom, Chun-Li qui a une super, une ultra. Avec ce Sonic Boom. Guile qui maîtrise bien le round, qui maîtrise bien la partie. Allez, saut light kick. Re-saut light kick. Mais c'est bien vu de la part de Chun-Li. Oh là 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 là, derrière c'est light, tu peux mettre un high punch. C'est fort. Avec ce Sonic Boom, attention, faut pas garder là. Wouhou. L'éviter juste, malheureusement, c'est pour se manger un somersault. Juste derrière, somersault. Dommage, allez, premier round pour Guile. On est parti, Sonic Boom. Et Chun-Li, qui utilise sa grande rapidité pour dasher derrière les Kouken, se faire un espèce de bouclier tout en avançant. Voilà. Mais Guile qui est encore en avance dans l'énergie. Allez, bien joué ce petit combo. Ex Yaku Kick. Voilà, encore un casse-garde. Il lui a déjà fait une fois cette phase-là. Et la deuxième fois, ça touche encore. Faut peut-être exploiter le créneau. Bien joué la saving pour arrêter Sonic Boom. Dash avant une chop. Allez, on essaye de remettre la pression. Bien joué. Le casse-garde, le cross-up. Ah, le casse-garde qui passe dans le vent. Mais c'est le stun. Et Chun-Li en termine avec Guile. Attends, juste un gros pied, ça suffira. Dernier round, c'est parti. Sonic Boom. Avec ce Sonic Boom qui touche Chun-Li. Chun-Li qui a repris un Sonic Boom. Là, c'était peut-être pas... C'était peut-être pas nécessaire de se le bouffer, celui-là. Allez, cross-up dans le coin. Ça faudra s'habituer aussi, les corner cross-up. On voit ça que dans Street Fighter 4, quasiment. Voilà, Guile qui maintient bien son jeu. C'est bien, ça. Du Sonic Boom à distance. On fait attention sur les dashs de Chun-Li. Voilà, arrière... H-click. Par contre, c'est peut-être un peu trop évident. Et voilà une troisième phase où Guile met le casse-garde. Attention, ce morceau le piffé, il a un peu raté. Il était dans l'autre sens. Chun-Li a fait exprès de sauter cette trajectoire spécifique qui fait rater le somersault. C'était peut-être pas judicieux. Bien joué là. Chop, une deuxième chop et c'est gagné. Ah, elle a vu que ça a marché bien ça. Ces petites phases de décalage chop. Victoire de Chun-Li, qualifié donc pour les huitièmes de finale, la demi-finale de sa poule. Et donc on va avoir le droit au dernier match de 16e et dernier match de cette quatrième poule. Si évidemment le nombre de joueurs inscrit et pile poil, donc en théorie 16 joueurs, 32 joueurs inscrits, hein. Ce qui est vraiment pas mal. Oh, bien joué, on va avoir un Dalsim. Ah ouais, bon, c'est Honda pas très fort contre Dalsim, vraiment pas très fort. Je sais pas si ces deux là ont pas fait les bouches trop. Voilà, Dalsim du couleur douteuse qui commence directement avec un saut disparition pour tenter une phase que maintenant tout le monde connaît. Bien joué ces petits coups de corde à linge. Voilà, allez, ça passe. 3 hits. Disparition.
High Punch, Medium Kick, Yoga Flame ou Yoga Fire. Mais Honda, quand même pas mal. Il progresse. Attention à pas trop faire de disparition là, de la part de Dansim. Au bout d'un moment, ça va être vu. Bien joué la chop. Dansim qui a vraiment pas beaucoup d'énergie comparé à Honda. Voilà, c'est bien joué ça, ça passe. Un Yoga, une Ultra. Comment ça s'appelle son Ultra? Yoga Catastrophe. Les deux adversaires qui sont quasiment à égalité. Alors l'ultra de Dalsim qui sert uniquement au pressing et au grattage. On sait pas trop encore si on peut l'utiliser. Ah, peut-être qu'on sait, enfin moi je sais pas. Si on peut l'utiliser comme un imbloquable, un peu à la manière de la Aegis Shield. Bien joué la chope et ça retire énormément d'énergie à Dalsim, premier round pour Honda. Donc l'utiliser comme un imbloquable de la manière de la Aegis Shield, de la manière de la Fury à Oro dans Street Fighter 3. Ça pourrait être intéressant qu'il puisse y avoir des petites phases d'imbloquable comme ça pour Dalsim. Ça pourrait le remonter un peu dans la table des tiers parce que là il a pas grand chose pour lui pour le moment. Et c'est Honda qui mène le pressing. Voilà, il saute. Disparition de Dalsim, histoire de reprendre un peu de distance. Voilà, allez, il faut maintenir Honda à distance. Bien joué. Mais ça passe dans la garde. Le Yoga Inferno. Voilà, deux adversaires qui sont regardés. Honda a tout de suite profité pour punir. Avec une chope magique. Dalsim qui chope et une ultra pour mettre le pressing. Seulement il se fait toucher. Une ex envolée de Doskoi. Victoire de Doskoi, ouais, c'est dommage. Dalsim tente peut-être un peu trop de trucs. Il y a des fois où il faut jouer plus safe. Et encore un Honda qui passe. Alors, il serait intéressant, comme on a déjà un Vega, un Honda et un Bison en demi-finale, d'avoir soit Ken, soit Chun-Li en demi-finale. Enfin bon, on verra. Le prochain match opposera donc Ken à Bison. Ichi face à Bison, dont je n'arrive pas à lire le nom. Et la dernière week-end de finale, ce sera donc Chun-Li face à Honda. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe. On a un New Warrior. On a un Abel sans nom, là. Face à un Guki. Qu'est-ce que c'est que ce Guki face à Abel, là? C'est quoi ce match? Ah oui, non, mais ça, c'est un match qui sert à rien, ça. Voilà, c'est juste Abel qui va péter la gueule à Guki, parce que visiblement... Voilà. Simplement, il faut rebooter la machine. Je sais pas pour quelle obscure raison. Donc ça, c'est un match qui sert à rien. Donc vous pouvez aller aux toilettes ou vous reposer un peu dans le visionnage. Les derniers matchs de 8ème de finale arriveront un peu après. Abel va détruire Guki. On va pouvoir lancer le match. Faut rebooter la machine. Je sais pas trop quelle est la raison. Mais voilà. Bon, voilà, et c'est fait. On sélectionne Guki évidemment pour que ça aille très vite. Voilà. De perfect. Y'a rien à dire. Donc ce match compte pas, il sert strictement à rien. Au cas où vous avez pas remarqué que Guki bougeait pas. Ce que je doute, bien entendu.